revendication ou azali ko revendiquer les lois à vérité des urnes déjà tika na démarche en moyen moko parce que ba de l'ensemble Moïse Katumbi alobi a roboto la babie na yenyo so pesa ki na kati ya lamuka. Tout ça c'est parce que il y a eu des personnes qui lui ont voté par corruption au biso population to yebagite to rarara o azam mona kin mona kin. Il n'y a pas des originaires qui des originaires à Kinshasa. Haute cour de notre pays, vous vous sanctionnez. Le président Loaba de la Cour constitutionnelle, vous les sanctionnez comme ça? On vous réveille mon matin, non? En tant qu'Okie. Papa, vous êtes banani. En tant qu'Okie. États-Unis, beaucoup mis banani. Papa, Kabila est parti. Nous avons maintenant le vrai fils du pays. Parce que, vous savez, à un certain moment, la nationalité de notre président n'est plus. De suivre aussi, la diaspora, on le connaît aussi. Il a dit dans cette émission-là que Corneille n'a pas appelé ça qui a limite. Et tu as dit que la Cour constitutionnelle est au bout de la moindre essence. Mais depuis qu'il a dit. Personne ne l'a inquiété, c'est-à-dire qu'il y a une vérité, il y a une véritable liberté. Mais jusqu'aujourd'hui, il continue à salir le nom du chef de l'État en disant des discours démagogiques, en mentant la population. Et aujourd'hui, qu'ensemble a pris une position pour dire qu'ils ont pris acte que le chef de l'État est chef de l'État. C'est Jacky Ndala qui s'élève en premier avec l'autre fameux journaliste, je ne sais pas, bon, je connais très, pas trop bien sa nature, je ne sais pas si c'est un journaliste ou un homme politique. Il est aujourd'hui élu député provincial. Les Américains doivent savoir une chose, le Congo d'aujourd'hui n'est pas le Congo d'hier. Tout va changer et eux-mêmes vont comprendre, il y a les Américains qui viendront rester dans ces pays. Parce que nous connaissons très bien, Jacky Ndala était derrière Moïse Katumbi. Il a oublié, c'est Moïse Katumbi qui a façonné ce Jacky Ndala là. C'est Moïse Katumbi qui a donné son argent. Il est parti plusieurs. Il a même voyagé avec la première dame, l'ex-première dame, Maman Olive Lembe, qui lui avait donné même une parcelle vers côté aéroport Kuna. Ça, en matière de corruption, côté aéroport Kuna. Ça reste à vérifier. C'est un homme qui. Merci. Ça ne reste pas à vérifier, il y a des preuves. Vous voyez ça, Jacky Ndala, il y a des preuves. D'abord, c'est un malhonnête, quelqu'un qui est manipulable. Merci. Corrompu tous les merci jours. Te le rends. Il arrête. Ok, d'accord. Mongo ya Mukero Martin Fayulu Atika Nango, nous lui conseillons à implanter et cider sur la ville de Kinshasa, sur toutes les provinces. Parti Naïs a la bien représenté. À la place, c'est au salaire au concert. Ou à Zoké Narobeta pour Nicolas Amakas, c'est un spectacle. Merci. À Zobeta, un concert. Merci. Un leader d'opinion. Martin Fayulu, c'est un leader d'opinion. Il doit prêcher par l'exemple. Il ne doit pas revendiquer une chose. Pourtant, hier, il a travaillé dans la chose. Mesdames et messieurs, c'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Un type d'habillement, exemple à suivre, poto na poto, si on dit l'homme à Pouya. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. N'est-ce pas petit bouillé? Nous avons un au Pala, 24, l'accroissement de la direction Gambiana venue au Pala, où est-ce qu'on a exemple à suivre, exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mambouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mambouya. Alain Nel, rien à dire. Odilon Mambouya. Odilon Mambouya. Merci Nabino Sobola Nabiso sur Nouvelle Tendance Télévision. Mingi mingi merci pour la bino batozara fidèle la émission Vérité ou Réalité. Bien sûr, nous vous transmettons une salutation de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne. À la prise de vue, nous avons Alidor Lui et Tramontina. Et à la réalisation, nous avons bien sûr Jordan Panzou
qui réalise cette émission dans de très bonnes conditions. Mbote na biskane surtout bozo landa biso et sengo mingi ya koeba ke bino bopona biso parce que msala to sala reza toujours pona pour informer bino kasi to kozanga te koloba merci na sponsor officiel et nouvelle tendance télévision ya Gianni Sita. Tunga putu banga mituri depuis Switzerland. Merci mingi et puis clin d'œil spécial au patron Bogos le plus puissant d'Afrique d'ailleurs, donc lui le puissant puisque même le barrage de Ngolo et puis Azab parmi les patrons voilà qui toque en Afrique. Ah ouais, donc il s'agit bien sûr de Abed Achou, le patron de Rotana Kin Plaza et numéro 1 de Sokin. Merci Naye, merci Nata Boufato Top Model, merci Nama Lorista Congolaise Malolo, Chouchou Natati la véritablement femme d'affaires na Bosanioté Motena, ya Odilo Mampouy exemple à suivre, ya Marachel Moussolongo, merci P na impresario Claude Ndombasi, mon vieux Eva Moari, Ousmane Benza le gagnon, papa na Josi Mote mingi na yo, vérité ou réalité na banda qu'on a bino, na ba cuisine, na ba chambre, na ba métro, na bisika nyonso tout oyo bozo landa biso. Mbote mingi mingi et quel sous côté de connaître Afrique du Sud au bazo benga biso matin midi soir, merci pour na musala ne besoin encourager biso. Alors sur ce plateau naza djana bande konanga oyo bo bito mesana ko sala musala oyo. Déjà à ma droite nous avons Jean-Luc Kadima, c'est gon souffle wazana biso. Ah Jean-Luc Kadima mana mboka, bonjour. Bonjour, bonjour à Lendele, bonjour à maître Oscar Béa, aux accompagnants de lutte na biso te partager na eba ba moment d'analyse au makasi. Merci beaucoup na opportunité au pe sarabiso et puis à informer ba ndeko na biso ba congolais ba na diaspora la véritable réalité nengo lo ba vérité ou réalité awa biso to la monopole wana te, mais on a quand même le privilège ya koza na information à la source et puis dire à nos compatriotes qui sont à l'étranger qu'est-ce qui se passe en réalité par rapport à la situation politique, parce que c'est la seule chose où ils aillent réunir biso pour que mboka na biso ke li. Merci mon mboka Jean-Luc Kadima, mon mboka Oscar Béa aza awa mon mboka, bonjour. Bonjour l'international, la joie est partagée, la joie est immense chaque fois que nous sommes sur ces beaux plateaux de vérité ou réalité. Et parler plus de la politique, ça nous fait énormément du bien et c'est la raison d'être. Merci beaucoup. Je pense que le point de presse tenu par le président de la République en Namibie, son discours, on va tourner tout autour de ça. Et puis, Tokozoa le Soussou, point mon Soussou, réunion, il y a tout point de presse, il y a Bandeko, il y a Ensemble. Tokolongwana, Tokokeneli Sous, on a plusieurs questions. Oezo Tunama Awa, l'FCC en voie de disparition, vrai ou faux? Toko tout a appelé Wana Pé Mouan Mouke Mouke. Et la dernière position, Toko touché les Sous. Aujourd'hui, plusieurs émissions réalisées. Toko Bandeko Baza Ming Ming invité. Le propos tenu par Monamboka Jakindala, Monamboka Mike Moukebaye. Nous ouvrons la parenthèse. Jean-Luc Kadima, vous avez la parole. Je pense que vous avez qui au talaki discours et à président de la République. Mon amboka Félix Tshisekedi na Namibie. Alain Delenaïb, monsieur, d'abord merci beaucoup parce que au moins ma question à Boizo confirmer intelligence na onde batuba ben na journaliste intelligent. Vous voyez que la primeur doit commencer par le chef de l'État, celui qui a été élu par les Congolais, par tous les Congolais, qui a été accepté par la communauté internationale, bien qu'il y a des partis qui pensent, qui sont en train de rêver jusqu'à l'instant, pensant que Félix Antoine Tshisekedi va laisser la place aux incrédules d'abord et puis aux personnes qui n'ont pas foi à toute la réalité qui se passe ici en RDC. Je veux ici rappeler les précisions du discours en Namibie au chef de l'État Nabiso Congolais. Il faut dire qu'il a fait ce discours-là en tant que deuxième vice-président de l'Union africaine, au Azaki, élu par le collège. Il y a ma présidente, ma État ébélé. C'est une question d'Afrique. Donc, président Nabiso Azaka, président RDCT, à Matibe Chelon, à Rotalapé, à Namibie, à Rotalapé, à Nigeria, à Rotalapé, à Rwanda, surtout, pour Mikolo, il faut taper à Rwanda trop. Pour que les coltan, les cobalt, les orbes, les rebelles, les lobes, les producteurs, il y a Makambo Ebele, à cause de la RDC, Félix Tshisekedi a parlé de la corruption d'abord. Il a expliqué pourquoi est-ce qu'il va s'impliquer sur cette affaire de corruption pour que, et permettre que tous les Congolais se retrouvent équitablement dans le partage de la richesse Yambo Kanaye. A expliqué les scrutins électoraux Oyo et Rosala que
ba gouverneur na biso na ba sénateur o bazaka na mboka oyo bazala pe élu par la population parce que c'est aussi à travers cette voie électorale wana que corruption de se manifester makasi o moni André Kimbuta net André Kimbuta par exemple biso to vota été talande ba foule comme na kisasa ba toilettes publiques ezala raté mai ebima raté courant ezala raté gestion ya mabé DGRK akoma na ba DGI fictif na ye ba DGRK fictif na ye go pass na aéroport ko lobaté comment azana taxe na emo na aéroport wana ba bengaka taxe Kimbuta tout ça c'est parce que il y a eu des personnes qui lui ont voté par corruption au biso population toye bagité to raga ko azam mona kin il n'y a pas des originaires qui originaires à Kinshasa c'est la capitale et ils ont rassemblé tous les Congolais à le droit de jouir sur la gestion de Kinshasa donc toi ko senga démarche il y a président Félix Tshisekedi il y a démarche moro noble et ça repèse biso courage ya Rolobake azaki vraiment élu peut toza ko espérer que maramba bien et rosalama nous avons vu ça. Quand il a parlé de ce mode électoral, il faut que ça la que Batouba n'a pas voté par gouverneur n'a pas sénateur. Papa, on peut s'en aller raison et qu'on diminue toute la corruption. Parce que André Kimbuta, à Osangisasou, le député provincial, il n'y a pas de avant. À Osangisasou, il y a un parlement, il y a 50 000, moins 20 000. Il y a un député qui a voté. Nous avons vu ça, c'était le cas de la personne aujourd'hui, Azokani Sakazali, opposant. Azali Moutou Yamael et Moutoumoura intègre. C'est Martin Fayulu aujourd'hui qui est en train de lutter pour la vérité des urnes, mais qui avait trahi hier à cause de l'élection d'Adam Bombole et André Kimbuta. Il n'est pas le seul en fait à le faire. Non, on parle, c'est un leader d'opinion. Martin Fayulu, c'est un leader d'opinion. Il doit prêcher par l'exemple. Il ne doit pas revendiquer une chose. Pourtant, hier, il a travaillé dans la chose. Nous sommes en train de dire ici que revendication au Azali qui revendique les lois à la vérité des urnes. Déjà, tu as une démarche en moyen moro parce que les gens ensemble. Moïse Katumbi Alobi, à robot la babie na yen soit pesaki, na katia la mouka. A robot la ba richesse na écoute ça longola qui ba vie na ye, a longola ba fortune na ye. Mongo ya mouke au Martin Fayulu tika nango, nous lui conseillons à implanter et céder sur la ville de Kinshasa, sur toutes les provinces. Parti na yeza la bien représenté à la place au sala wa concert au azoke na robeta pour Nicolas Amakasi na spectacle. Merci. À robeta ba concert. Merci Jean-Luc Maître Oscar. Votre point de vue et par rapport à discours et à présent de la République. Merci beaucoup Alain Dele. J'espère qu'aujourd'hui cette émission sera beaucoup vue parce que nous sommes déterminés. Vous savez l'international, j'ai bien suivi les points de presse de son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. J'ai senti que depuis la RDC et RDC, on n'a jamais eu un président pareil. Félix président, il tient les discours sans papier à la main. Ça prouve déjà l'intelligence. Comme toi et moi, tu nous présentes une émission sans papier. C'est-à-dire que tu as la maîtrise de la chose. Nous avons connu le président dans ce pays. S'il n'y a pas les papiers, lui ne pourra pas dire quelque chose devant des gens. De deux, Félix a épinglé les problèmes de la démocratie dans son pays. Il a cité même Monsieur Martin Fayulu. Voilà ce que mon président a dit. Il a dit aujourd'hui, c'est lui qui est en train de réclamer la vérité des urnes. Soi-disant. Merci JL. Nous l'avons laissé. Il est libre de faire ses discours. Même ses images des meetings passent à la RTNC. Télévision nationale. Ce qui ne se faisait jamais dans ces pays. Alain, toi tu es un ancien de la presse. Tu connais comment la RTNC se comporte. Mais aujourd'hui, meeting à Félix, à Fayulu, l'Oiseau, les canards, RTNC. C'est déjà un grand pas avec Félix. Félix a parlé de nos frères qui sont en Europe, qui vont rentrer calmement. Aujourd'hui, dans quelques jours, mon frère, il y aura l'ouverture officielle de la maison Schengen. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà la démarcation qu'il a fait. Félix a dit à partir d'aujourd'hui, les officiels, c'est-à-dire les autorités de notre pays,
ne vont pas partir encore à la maison Schengen pour s'aligner, pour prendre de visa. Ils vont commencer à partir au niveau de l'ambassade de la Belgique pour récupérer leur visa. Est-ce que vous voyez quand même cette intelligence, un homme d'État, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais est-ce qu'un président pareil, il faut Tolobaka, Otelemionet, Jakindala, on ne sait pas Jakindala. Il est temps, mon frère, il faut zonger la chronique musicale au Bando Sala. Tu étais bon quand tu invitais Jubin Piana, Kofi Olomide, Fali Poupadikap, La Merveille, mais tu n'es pas né pour faire la politique. Parce que la politique a ses politiciens. On avance, là vous anticipez. Oui, oui. Alors on avance d'abord par rapport au point du président de la République. Oui. Alors prenons le deuxième point. Oui. En fait, aujourd'hui il y a quand même une conférence également qui a été organisée par Bande Grosseur ensemble. Oui. Alors je pense que tous Tolanda Kiango, mais alors tout mec un peu au côté un peu dans Mozindo. Votre point de vue en ce qui concerne les décisions, les positions où il y a des conditions ensemble, comme il y a vis-à-vis à Yabandé Konabango à la Mouka. Alain Dele, il faut surtout analyser le discours en terme français de Pierre Lumbi à Salaki Ango. Je crois que Bande Konabiso à diaspora, on va comprendre bien. Il faut ici dire clairement que. Vice-président, je crois Pierre Lumbi Azali, vice-président, il y a ensemble Wana Alobaki très clairement que Bazali Kozwa acte que Félix Antoine Tshisekedi Azali président de la République, il a été élu par le suffrage universel et puis confirmé par la Cour constitutionnelle. Donc Moutou Akoki Lissou Kosala entrave Moroté à son pouvoir, à sa loyauté sur Makambo et Talimbo Kanadisou. Ce que moi je retiens c'est quoi? Lelo tant où ensemble, ils allaient reconnaître pouvoir, il y a Félix Tshisekedi, c'est-à-dire qu'ils sont en train de dire directement à Martin Fayulu que ta démarche et réclamation à vérité des urnes n'a pas concerné, nous on ne t'accompagne pas. Parce que nous avons reconnu que Félix Tshisekedi est allé président. Mais mon inquiétude se place où? Se place au niveau où je comprends que ce sont des hommes politiques. Et je me pose la question, pourquoi est-ce que depuis l'élection du président de la République, si dans la période Oyo, ensemble, ils ont une décision, pourquoi est-ce qu'ils comprennent qu'ils n'ont noté que Félix Azali est président? C'est par quelle motivation aujourd'hui qu'ils sont en train de reconnaître Félix Tshisekedi en tant que président de la République? Mais c'était le souci, je pense, pour vous, c'était le souci. Oui, pour nous, en fait, souci n'a pas été Zaranini. Tu vois, Félix l'a toujours dit depuis son investiture à Lobby, il a les bras ouverts, toutes les portes sont ouvertes pour que tout celui qui est citoyen congolais se retrouve n'a pas compétence na union. S'il est capable de gérer une chose, de toucher à quelque chose, bah y'a tout travailler ensemble. Félix était clair, il n'a jamais fermé la porte. La preuve en est, nous avons décrié ici dans la période de Joseph Kabila, c'était des criminels, des voleurs, des bandits, des personnes qui appauvrissent la population pour leurs intérêts personnels. Nous avons décrié ces choses. Mais quand Félix Tshisekedi est devenu président, il a accepté de nettoyer ces gens-là et de leur donner encore l'occasion, la chance de travailler, mais cette fois-ci dans la logique et dans le respect de la loi, dans le respect des principes, éviter la corruption, la tricherie, le vol, les dépravations, les anti-valeurs. Biloko wana nyonso, Félix Tshisekedi, il est en train de sanctionner, d'ailleurs nous le voyons. Je vous informe ici qu'il y a deux colonels qui sont arrêtés avant que Félix Tshisekedi ait quitté Namibie. Pourquoi? À cause de l'injustice, ils sont en train d'usurper d'user de leur pouvoir pour n'avoir pratiqué pouvoir n'abandon injustement sur les faibles. Et aujourd'hui, ils sont en prison. Le président l'a rappelé aussi dans les discours de Namibie. Il a rappelé, il a dit, avant que je ne vienne ici, les deux colonels sont arrêtés pour avoir mal utilisé leur pouvoir. Mais aujourd'hui, ça prouve à suffisance que Félix Tshisekedi n'est pas dans la logique où Batignon Sobalaï qu'on comprend. On parle ici de ensemble qui a décidé de dire aujourd'hui, c'est vrai, ils ont fait comme nous avons constaté pendant qu'ils avaient dans la négociation, il y avait une partie qui avait signé sous réserve, tout ça. C'est vrai, Bango Pebazolo Bamakamsu sous réserve, mais nous avons ici compris que l'ensemble a décidé d'accompagner Félix Tshisekedi dans son pouvoir et Félix Tshisekedi est toujours pragmatique et puis ouvert. Il va travailler avec toutes ces personnes. À condition que Batouana va respecter la loi, va respecter le principe, va valoriser
toutes les valeurs de la République démocratique du Congo. Il reste ouvert, donc j'étais garde Jean-Luc Kadima. Maître Oscar, nous avons suivi le discours de Yamane Konabissou, le point de presse Yamane Konabissou et Ensemble aujourd'hui qui crée plusieurs questions. D'ailleurs, puisque est-ce qu'on peut encore... C'est comme si c'était une position pour fragiliser aussi l'amour KO déjà depuis un certain temps. L'amour est toujours en mouvement et les lots positionnent à Bango. Mais Alain, apparemment, vous comprendrez. Apparemment, ma solange, vous comprendrez. Je ne comprends pas où est-ce que vous êtes. Papa, l'amour, c'était l'ensemble de certains partis politiques. Des plateformes au Kotaki pour essayer les lots qu'on a bango à aventurier ou à la mouka. Moi j'appelle ça une association des vendeurs de la nation congolaise. Félix, bien avisé, il a compris qu'il ne devra rester dans cette histoire là. Abimi, non, mon ami Vital Kamer, le faiseur du président. Akbaké na bango. Ce Kotali bien la mouka. Sans Moïse, la mouka ne pourra pas fonctionner. Non, il y a Jean-Pierre Bemba qui pèse. Qui Alain, fait le laisse-moi parler. Je suis là, c'est pour parler. Okay. Je suis né pour parler. Okay. La mouka, sans Moïse, Katumbi Tchapu, la mouka n'existera pas. Parce que l'air bailleur des fonds, c'est M. Moïse. L'émission de la fois passée, Naïvi Sakio. La mouka est en voie de disparition. Non, maître, tu vois, mais aujourd'hui, ça se laisse voir. Le père du Katanga, vous le connaissez bien, Baba Kyungu Wakumwanza, lui a dit tout haut, il ne saura pas être opposant de son fils. Papa Bolingito Lobandini. Alors, est-ce que vous croyez que Moïse peut contredire son papa, qui est Kyungu Wakumwanza? Parce que sans Kyungu, Moïse ne saura pas exister. C'est Kyungu qui a donné Katanga na maboko ya Moïse Katumbi. Et Moïse, force électorale, est à un niveau à Katanga. Papa, aujourd'hui, l'ensemble, Pierre Lumbi, André Claude Lubaya, les Viennanga de Lise Sanga, le Bino. Les vieux Kamitato. Les vieux Kamitato, les gens à double face, les caméléons, qui changent à chaque instant. Bavio Oyo Basali conférence de presse lobby balobi. Nous prenons acte. Naïbité en lingala, nous prenons acte, ça veut dire Tondimi. Ok, merci papa. Nous prenons acte et nous acceptons le président élu par le peuple congolais, publié par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle. Alors, vieux Nabiso Martin Fayulu, soldat du peuple, un grand danseur du moment, Asiatikali Moko. Et ça ne va pas si parce que... Bemba garde encore sa position. Non, Bemba est à l'autre côté, papa. Bemba fait 10 ans Alain Nele, Bemba est en prison. Bemba est en prison. Mouzitu garde encore sa position. Mouzitu à quel point électoral, papa? Mouzitu, c'est un médiocre, mon cher. Chez lui, au Bandundu, il a construit. Est-ce qu'il a construit quoi, chez lui, au Bandundu? Vous nous connaissons quand même dans ces pays, un premier ministre, que je cite avec respect, son excellence Mata Tampogne Mampon. Oui. Aïbaki, tu es bien, moi, Namaya, Aïbaki, Nae. Mais ce qu'on a Kindu, tout ça, l'université a bien. Baba là-bas les a bien, mais qu'est-ce que Mouzitu a fait chez lui? Quand on dit ça, non, maître Wana Zambanga, non, la vérité doit être dite ainsi. Qu'est-ce que Mouzitu a construit chez lui? Chez lui, il n'a pas même une maison de chambre à salon. Non, ça c'est... ça, mais moi j'ai dit, j'étais à Bandundu récemment, j'étais à Kikwit, j'étais même à Bulungu. Mais l'honorable Mouzitu n'a rien fait chez lui. Mais quand vous comparez Mouzitu et Matata Mampon, mais c'est Mouzitu qui a beaucoup volé. Mais Matata, un voleur intelligent. Nous avons besoin de gens pareils dans ce pays. Je reviens sur la conférence ou bien le point de presse de l'ensemble. Aujourd'hui, Moïse est parti. Moïse est déjà parti. Moïse, je vous apprends aujourd'hui, on est en train déjà d'imprimer le passeport de M. Moïse pour Azonga Palais. Azonga Kongo, Yarosani. Il va travailler avec son frère ami Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, Martin Fayulu, Okobin, Nanano Binita. Alain Dele, je veux ici rappeler que, Martin Fayulu a un calme. Le président a déjà dit là-bas qu'il va continuer ses concerts librement. Moutaro inquiété Azate. Et puis, je suis en train de demander ici, je fais un appel à les musiciens, les artistes musiciens congolais, c'est-à-dire Kofi Olomide, Jibem Piana, Werason, Félix Oisekwa, Innocent Baloumé, Gez Mawete, Ferregola, Fali Poupa. Héritier Watanabe, Fabregas, nazo senga bango que na UNC
Ils ont UNC, Union des artistes, Union des artistes congolais. Je suis en train de demander ici que va intégrer Pende comme Martin Fayulu. Va passer les cartes des artistes. Apparemment, il vient signer. Pour que la province soit éthique. C'est pas un problème en fait. Oui. C'est pas un problème danser. Je crois que. Mais c'est tout ce qu'il est en train de faire. Un président, mon frère. On est président. Il discrédite pas quand même. Parce il est président de la République. Il est Aza libre. Ça là, peut-être. Moi, pas de danser. Ça peut m'abêter. On avance, avance, Jean-Luc. Oui. Alors, prénom, aujourd'hui, je pense que dans plusieurs journaux, d'ailleurs, c'est écrit, l'FCC envoie des disparitions. Est-ce, puisque c'est vrai, l'FCC, je pense que Bino vous êtes même d'accord, FCC continue, parce que FCC, ils ont derrière. Logique, ils ont derrière le président de la République, c'est la politique. FCC, le rôle à petit frère, il y a cacheté. Le rôle à Neko, il y a cacheté. Non, c'est de la politique. Oui. La loi dit que Moutoua, dans la majorité, dans le Parlement, a proposé président, a proposé premier ministre. C'est la démarche claire. Pourquoi vous voulez que Félix Tshisekedi a entravé Loana? C'est un homme de droit honnête, il va respecter les lois. Mais il y a des accords quand même avec c'est normal. Avec en politique, la politique vit avec les accords. Est-ce que vous avez déjà dit cet accord? La politique vit des accords. Même s'il y en a, c'est très normal. Oui. Avant la sortie du gouvernement ici, nous avons vu ici, Joseph Kabila est allé voir le président de la République au Palais de la Nation. Ils ont discuté, ce qui est très normal. Après le Palais de la Nation, il est parti convoquer le FCC parce que c'est lui le patron du FCC. C'est lui l'initiateur de ce regroupement-là. Il a appelé tous les militants du FCC pour leur dire « Venez ici, on va commencer. D'abord, vous allez signer la charte. Et puis après la charte, on va proposer un premier ministre au président de la République. » C'est très normal. Pourquoi vous voulez que quelqu'un qui a un poids politique comme Joseph Kabila, avec tout le regroupement là, le FCC, qui ne fasse pas des accords avec le chef de l'État? Ne privez pas aux Congolais le droit de gérer ces pays quand ils ont les compétences. Félix Tshisekedi l'a dit depuis le début. Moi, je refuse ici qu'on associe le FCC avec le cash ou soit la présidence de la République. Ce ne sont pas des amis. En parlant des accords, on peut quand même les associer parce que ce n'est pas un problème. Alain, ils vont s'associer. Les accords, si réellement, un accord, c'est quoi? Ils sont là tout simplement pour soutenir le président de la République. Alain Dele, un accord. C'est quoi? Un accord, c'est un principe. Un accord, c'est une loi. Un accord, ce sont des conditions qu'on se pose pour aboutir à une réalité. Je pose la question ici. Joseph Kabila Kabang avec le FCC sont majoritaires au Parlement. Vous voulez que qui propose le Premier ministre? Ça doit sortir du FCC. Félix Tshisekedi ne peut pas passer outre. Il va accepter cette loi-là. Il va accompagner les Congolais dans la logique. Nous, les Congolais, nous avons dit ceci. La personne qui va se tenir comme obstacle vis-à-vis du pouvoir de Félix Tshisekedi. Moi je suis journaliste depuis des années à l'Indélé. Nous allons continuer à faire des analyses comme ça. Mais reste aussi réaliste quand même. Je suis réaliste, c'est pourquoi je ne fais pas des choses comme Mike Mukebayi par exemple. On va y arriver. Comme Jacques Ndala qui était chroniqueur hier, je me pose la question aujourd'hui. Mais il est libre parce que le journaliste est un métier aussi libéral. Non, Alain Délé, tu es journaliste comme Jacques Ndala. Tu sais très bien que nous avons des limites. Bien le journaliste n'est pas celui... On va y revenir, Jean-Luc. Merci. On va y revenir. Donc, maître. Oui, mon frère. Votre réaction à chaud? Non. Je sentais déjà, c'est comme non, ça. Je suis en train de comprendre une chose. Acceptons. Je vais réfléchir à des volets. Acceptons que non, Kabila a fait des accords avec le président. L'FCC en voie de disparition. Oh, non, non, oui, je vais revenir sur ces points-là. Mais accepte d'abord que je puisse y rebondir autrement. Ok. Si Félix a dealé avec Kabila, c'est pour être son président. D'ailleurs, ça, c'est très important. Mbemba a dealé avec Kabila pour être vice-président. Vous connaissez à cette époque. Mouzito a dealé avec Kabila pour être premier ministre. Martin Fayulu a dealé avec Kabila pour être député de Kabila. Mouzito a dealé avec Kabila pour être premier ministre. Les autres là, tous ces gens là ont dealé avec Kabila. Je suis en train de parler. C'est la politique. S'il y a eu les accords. C'est la politique exactement. Mais Félix, un homme très intelligent, il a dealé avec Kabila pour être son président. Papandé Tozaboué Awa, Tovandina Kabila, parce que Kabila aujourd'hui, il ni député, ni qui, c'est-à-dire Azaka sénateur à vie. Sauf Félix à côté Awa, Kabila, il faut à Télémi. Encore à Télémi, na respect, parce que Mokonzi Azo Kota. Mais ceux qui ont une arme, ils ont les armes. Maître LFCC en voie de disparition. Exactement. Faut passer dans le Baki Awa, FCC Zokende. Pourquoi?
Pourquoi j'avais dit ça? Parce que, allez, il faut tous être réaliste. Ce que le côté moi si, na hôtel, au commissaire na palais. Il faut sembler la vacance pour moi sur la fidèle. D'accord, on est comme un peu hôtel. Alléluia. Parce que qu'il tire à moi sur les avec une dumba. Les lots azoa, Alain, lobby azoa, JL, lobby kuna, exactement qui mettre ça à Runate, azoa mettre Oscar. Ça sera un désordre. Monsieur Kabila, l'ex-président, où est-ce qu'il a eu nos amis qui sont aujourd'hui dans FCC? Mais il a débauché nos frères qui étaient à l'UNC, nos frères qui étaient à l'IDPS, nos frères qui étaient chez MLC, va composer Otozo Benga FCC. Papa, ce qui est là, c'est que je suis un homme qui est un problème. C'est pourquoi nous disons, ce qui gouvernement est bimi à en mars, papa, okoyoka FCC. Papa est copanzana mabe neti saka makale queen likolo mutu. Merci maître. Alors nous allons ouvrir une petite parenthèse avant de toucher le dernier point. Prenons d'abord les sanctions américaines en fait contre quelques personnalités congolaises. Et moi, c'est qui étonne, il y a également le président de la Cour constitutionnelle, qui a été touché aussi. Alors au moment où c'est lui qui a validé le pouvoir du président de la République, c'était le même président Nanga qui est touché. Ce qui me dérange un peu plus, c'est Nanga et le président de la Cour constitutionnelle. Bon, en fait, Alain, au moins dans ce cadre-là, moi je veux rentrer vraiment vérifier bien les notes. Au moins en relation internationale, normalement, en relation internationale, c'est la loi du plus fort. Quand tu es fort économiquement, financièrement et tout ça, tu vas dominer sur les nations les plus faibles. Il y a ici en République démocratique du Congo une réserve pour toutes les grandes nations, pour toutes les puissances. Ils utilisent notre pays comme leur réserve pour commencer à exploiter d'autres nations, d'autres pays et tout ça. Nous n'avons pas encore la capacité, nous n'avons pas encore la puissance, ou soit le pouvoir de faire face à une nation comme à des nations comme les États-Unis, comme la France par exemple, tout ça, la Belgique. Nous avons un tout petit poids vis-à-vis de ces nations-là. Mais le problème qui se pose, c'est lequel? Moi, je me pose la question. Pourquoi est-ce que jusque-là, d'ailleurs, je rends grâce à Dieu parce que c'est Félix Tshisekedi qui est maintenant président. Et nous espérons que la crédibilité du Congolais soit effective pour tous les Congolais. Imagine-toi un peu. Nous avons un budget aujourd'hui de 4 milliards de dollars. Ce budget-là est, je ne sais pas si c'est le un tiers du budget des États-Unis. Je ne sais pas comment il faut, c'est quelle proportion par rapport au budget des États-Unis. Ici au Congo-Brazzaville, ici en face de chez nous avons l'habitude de travailler matin, midi, de traverser matin, midi, soir. Comment se fait-il qu'ils ont une densité de la population moindre que la République démocratique du Congo, mais un budget plus élevé que nous? C'est-à-dire que nous ne voulons pas travailler sur des choses qui peuvent nous rendre puissants pour commencer à faire face à ces sanctions injustes que nous devons ici décrier. Je me dis ceci, travaillons d'abord, c'est vrai, les Congolais, les compatriotes sont sanctionnés. Nous ne savons pas par rapport à quoi, quelles sont les véritables raisons, mais les États-Unis doivent savoir que c'est... n'est plus le moment de Joseph Kabila où ils étaient en train de donner des sanctions matin, midi, soir. Ils pouvaient donner des embargos à n'importe quel citoyen. Tu penses que c'est pas réfléchi? C'est injuste. Moi, je suis Congolais, Alain. Moi, je suis Congolais, c'est injuste. Encore tu d'origine. Vas me dire, tu vas me dire, d'origine. Moi, je suis Congolais d'origine. D'origine de Nyonso. Moi, je suis Moulouba, Alain. Je me pose la question. Est-ce que tu peux me dire ici que dans ce pays... Un expatrié, un étranger vient donner des sanctions. Est-ce que nous on a besoin des États-Unis pour vivre? Est-ce qu'on a besoin des États-Unis pour vivre? Non. Nous avons des richesses, beaucoup plus de richesses qui puissent nous permettre de développer notre pays par rapport aux États-Unis. Merci. Les États-Unis aujourd'hui, je n'aime pas les États-Unis, parlons même de la Belgique aujourd'hui. Oui. S'ils sont électrifiés aujourd'hui en Belgique, là-bas, c'est à cause de la République démocratique du Congo, c'est à cause de nos barrages. S'ils ont seulement du courant, si aujourd'hui, par exemple, la médecine de l'Afrique du Sud est développée aujourd'hui, c'est à cause de nos médecins congolais. C'est à cause de nos médecins. Nous avons dit, le problème ici, c'est de travailler sur notre économie, de travailler sur la puissance du Congo. Nous devons ici
avoir des réserves, bah minerai na biso et bimalis. Travailler sur les usines d'exploitation, on va commencer à travailler nos matières premières nous-mêmes, les exploiter sur différentes matières, différentes autres matières, pour permettre que biso moto ça la téléphone, biso moto ça la voiture, biso moto ça la bureau européen, ça biso puissance, budget na biso mata. Il faut budget na biso comme le président l'avait dit. Budget na biso il faut les 80 milliards de dollars. Mais c'est pas une mince affaire, c'est pas quelque chose à faire peut-être. Ça va se faire bon voilà la preuve année de Nani Alain Delé. Ça va se faire en un clin d'œil parce que regarde comment Félix Tshisekedi est en train de ramasser de l'argent volé par toutes les personnes qui avaient géré avant. Donc, au bout d'un an ici, vous allez voir, nous sommes capables d'avoir un budget plus fort que les États-Unis si nous avons banni la corruption, parce qu'il a parlé de la corruption. On va bannir les fraudes, on va bannir les banques fictives où ils allaient dépendre d'un individu. Donc, quand il y a des raisons, il y a des raisons qui ont été créées par la loi Ouada et l'Okuta, le code minier à l'Okuta pour permettre que Bango va s'enrichir illicitement. Ce qui peut gagner, tu vas voir que nous aurons le plus grand budget. Nous avons les plus grandes richesses. Merci Jean-Luc. Alors, maître, votre réaction par rapport aux sanctions? Bien sûr. Mon frère, vous savez, je suis en train de comprendre que Mendazaki n'a raison. Papa, la RDC n'est pas une province des États-Unis. Même pas une nation on n'est pas un État des États-Unis. Jamais. Papa, la RDC reste la RDC. Nous avons été colonisés par la Belgique, mais pas par les Américains. Papa, est-ce que vous connaissez dans quelles conditions l'ère président Lassigui, Donald Trump, est devenu président des États-Unis? Papa, il y a eu des fraudes. Poutine est impliqué dans cette histoire-là. Mais est-ce que la RDC ici a sanctionné Poutine? Ou bien a sanctionné Donald Trump? Mais non! On connaît dans quelles conditions Donald Trump est arrivé à devenir président des États-Unis. Tu as dit? Mais papa, non. Cette histoire d'ingérence. Papa, c'est jamais, vous n'allez pas encore nous ingérer dans notre pays. La RDC est indépendante, nous avons besoin de l'indépendance de notre pays sur tous les plans. Les États-Unis doivent se respecter, tuer le djihadiste comme il le fait. On n'a pas besoin de ça ici chez nous. Nous avons besoin de la paix. Les gens que vous avez sanctionnés là, vous sanctionnez le président de haute cour de notre pays, vous sanctionnez. Le président Loaba de la Cour constitutionnelle, vous les sanctionnez comme ça? États-Unis, Bokomi Banani. Papa, Kabila est parti. Nous avons maintenant le vrai fils du pays. Parce que, vous savez, à un certain moment, la nationalité de notre président n'est pas. Alain Félix, il est fils de ce pays. La nationalité de notre président actuel n'est pas douteuse. Hein. Il est fils originaire de la RDC. Les Américains doivent savoir une chose. Le Congo d'aujourd'hui n'est pas le Congo d'hier. Tout va changer. Et eux-mêmes vont comprendre. Il y a les Américains qui viendront rester dans ces pays. Parce que les choses vont réellement changer dans ces pays-ci. Merci. Maître, on va prendre le dernier point en fait. On va prendre le dernier point. Et c'était votre réaction par rapport à toutes ces émissions. Tout le monde déjà, tout le monde. Et comme il y a charnement, c'est-à-dire c'est comme si Banamboka, Mike Mokeba, Ina Jakinda, la Baza libre quand même. La liberté d'expression existe, la liberté de choix, c'est-à-dire que Baza même libre, paix, la liberté voire même de penser aussi. C'est-à-dire que Baza est obligé de faire des choses, mais même malam, sur au moment où on a peut-être les choses dans le sens, est-ce que c'est là comment vous dérange en quoi? Ah, tu sais, quand tu parlais de liberté ici, tant qu'on a énuméré la forme de la liberté, il y a lobby la liberté de mentir. Liberté d'expression. Tu penses qu'ils sont en train de mentir? Ils n'ont pas la liberté de mentir au peuple congolais, de dire des bêtises au peuple congolais, Alain. Mike Mukeba et Jacqueline Dalano ne sont rien dans ce pays. D'abord, pour comprendre que. Moko, il faut pas que tu aies un slogan, un discours, un locutin, une démagogie. Je suis ici en train de dire ouvertement à Jakinda là précisément qui est mon confrère. Na banda média liboso na comment j'ai commencé les médias, il était en train de m'appeler au téléphone. Ton émission c'est bien hein, azo acclamer azo banda azo applaudir biso. Ce sont des personnes qui sont venues après dans ces mais c'est pas un problème en fait. Le problème c'est celui-ci, Alain. Jakinda là est en train de donner son opinion. Mais il va loin. Il n'a pas le monopole de crier aux gens dans les médias. Ça il faut le lui dire. Il n'a pas le monopole de mentir aux gens dans les médias. Qu'est-ce qui vous dérange dans tout ça? Ce qui me dérange, c'est lequel? Quand jusqu'aujourd'hui, Jakinda là qui rêve dans son profond sommeil, pas
passe dans les médias, continue à citer en mal le nom du chef de l'État, le président de la République, continue à dire aux gens des discours démagogiques, ça on dit non. Ça on dit non et non et non. Jacques Ndala se permet de dire que bah Congolais n'est pas boyé. Tu sais, l'autre fois, il a dit ici que c'était pas dans ton émission, malheureusement, c'était dans l'émission d'un autre confrère qu'on a l'habitude de suivre aussi, la diaspora, on le connaît aussi. Il a dit dans cette émission-là que Corneille Nangue s'appelait ça qui a limite, et Tikalika Cour constitutionnelle, au bout de la essence. Mais depuis qu'il a dit, personne ne l'a inquiété, c'est-à-dire qu'il y a une vérité, il y a une véritable liberté. Mais jusqu'aujourd'hui, il continue à salir le nom du chef de l'État en disant des discours démagogiques, en mentant la population. Et aujourd'hui, qu'ensemble a pris une position pour dire qu'ils ont pris acte que le chef de l'État est chef de l'État. C'est Jacques Ndala qui s'élève en premier avec l'autre fameux journaliste, je ne sais pas, bon, je ne connais pas trop bien sa nature, je ne sais pas si c'est un journaliste ou un homme politique. Il est aujourd'hui élu député provincial. En réalité, vérité des urnes, on va réclamer, on a na Moutou, il y a président de la République. Il ne fallait pas réclamer na assemblée provinciale. Mais ils ont été élus. Ils ont été élus par qui, Alain? Ils ont été élus par qui? Je pense toi, tu es ici à Kinshasa. Mike Moukeba, il te dépasse. Toi, tu es ici à Kinshasa. Alain Dele. Les Congolais nous suivent même à la diaspora. Mike Moukeba est à l'équipe na pouvoir Namboko. Est-ce que Mike Moukeba représente quoi par rapport à Alain Dele dans ce pays? Je pense qu'il n'a pas de base. Mike Moukeba a été élu. Alain, Mike Moukeba a été élu à cause de Tshisekedi. Au moins, il m'a ramené sur Bassar à Lélo. S'ils sont aujourd'hui des personnes qui peuvent donner des tendances politiques, c'est à cause de Tshisekedi. Okay, merci. Quel Tshisekedi? Je ne parle pas de Tshisekedi Félix, mais de Tshisekedi Étienne le père, qui a propulsé ces gens-là. Ils sont partis au nom de Étienne Tshisekedi, mais aujourd'hui, ils sont venus pour commencer à trahir la même personne, salir la même personne. Là, on dit non. Jacques Ndala, on le met en garde. Il n'a pas le monopole de parler. Il n'a pas le monopole d'insulter comme il le fait. Il n'a pas le monopole de mentir. Mais comme il n'a pas ce monopole, on le met en garde. Mikolo Toromolanda va pas naï. Netinga Toromolanda va pas naï. Où il va, dans tous les médias où il va passer, moi je vais passer après lui. Je vais venir commencer à contredire tout ce qu'il est en train de dire avec des preuves. Parce que nous connaissons très bien. Jacques Ndala était derrière Moïse Katumbi. Il a oublié. C'est Moïse Katumbi qui a façonné ce Jacques Ndala là. C'est Moïse Katumbi qui a donné son argent. Il est parti plusieurs. Il a même voyagé avec la première dame, l'ex-première dame, Maman Olive Lembe, qui lui avait donné même une parcelle vers côté aéroport Kuna. En matière de corruption, côté aéroport Kuna. Ça reste à vérifier. C'est un homme qui. Merci. Ça ne reste pas à vérifier. Il y a des preuves. Oui, ça, Jacques Ndala, il y a des preuves. D'abord, c'est un malhonnête. Merci. Quelqu'un qui est manipulable. Merci. Qui est corrompu tous les jours. Merci de tolérance. Ok, d'accord, c'est bon. Maître, on va chiter. On va chiter Alain Dele, merci beaucoup. Vous savez, quand un chauffeur oublie son travail, il veut être pilote, c'est grave. Nous connaissons bien. Il va faire un crash. Oui, ça sera. Il va tuer beaucoup de gens. Nous connaissons bien notre frère Jacques Ndala. Il est spécialiste dans la musique. Il peut bien faire la chronique. C'est très important. Parce que moi, je n'ai pas connu les gars aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai connu Jacques Ndala, il était encore chez PPRD. Il avait postulé pour les comptes de PPRD en 2011. Il a échoué. Mais tellement qu'il a toujours l'esprit des prostitutions politiques. Il a accepté de quitter PPRD, aller se réfugier derrière M. Moïse. Comme Moïse, il est faiseur d'hommes. Papa, l'argent fait l'action. Aujourd'hui, c'est Jacques Ndala qui se permet de dire n'importe quoi à la télé, critiquer le président de la République. Oh, Akoli na vie a bien. Problème, c'est la éducation. Hein? Félix Akoli na vie a bien, Abotami na famille a bien, Bisson Stoye bien. Mais quand tu vas faire certaines histoires, il faut avoir des réserves. Parce que nous connaissons bien ce qui est Jacques Ndala. On risque d'ouvrir la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça sera grave sur les plateaux. Bien sûr, je n'ai pas pu parler, mon frère, de Mike Moukeba. Mike Moukeba, nous connaissons qu'est-ce qu'il était et qu'est-ce qu'il est devenu, parce qu'on se rencontre plus avec lui souvent sur Mouchi. Merci. Quand je dis ça, il connaît. Si Mike Moukeba est-il aujourd'hui député provincial, c'est à cause de l'UDPS. Okay. Papa,
La Mouka est en voie de disparition. Mike Moukeba a quel parti politique ici? Jacques Ndela a quel poids politique? Merci. Papa, ils sont en train d'embrayer leur leader. Merci beaucoup. Qui est en voie de disparition. Merci à Jean-Luc Adima qui était à ma droite. Merci également à Maître Oscar Béa qui est à ma gauche. Alors on va finir. Ouais. Le numéro de contact pour ceux qui voudront peut-être rentrer en contact avec vous parce que régulièrement, mais pèse un numéro, pèse un numéro. Alors je pense que numéro pour ceux qui ont besoin. Je veux profiter pour dire mon tout dernier mot ici qui est de dire d'abord félicitations à Martin Fayulu et Jacques Ndala qui ont fait une très bonne coalition parce que un chroniqueur de musique avec un artiste musicien, c'est coïncident. Ça donne bien. Oui. Donc, alors ça la chronique, il y a Martin Fayulu qui toko. Martin Fayulu, bah, spectacle, il y a un meeting, c'est le cas qui toko. Gloire à Dieu, ils sont ensemble, mais tout le temps, il y a un pour mon numéro de contact, c'est le plus 243 82 29 47 951. Plus 243 82 29 47 951. C'est mon numéro privé. Donc, ce que mon dit, Mamsouna Lobia est dérangé. Ok, voilà, la poste s'acharner. Combien nous avons WhatsApp? Je suis sur WhatsApp très opérationnel. Merci. Mais na réseau social Mamsouna Zate. Ce que mon dit, tout le monde ne sait pas moi. Ok. Merci beaucoup, Jean-Luc Adima, Maître Oscar. Et votre dernier mot, puis les numéros de contact. Merci beaucoup, l'international. Notre dernier mot, c'est dire seulement à notre frère, soldat du peuple, monsieur Martin Fayulu, tu es libre. À ta soki au Sengi Lelo, au bête musique, n'a palais du peuple. Au sala meeting, n'a pas palais du peuple, au kosalango. Moutakocha yoka, exact. Oui, monsieur Manazoïba n'a palais. Balandela été moura au tira mouibi. C'est un ami temps oyo, à ta au lobino, n'a hôtel, manasosa comme. Na ligne na beta meeting au Robetango m'occupe yo azate parce que tozana état de démocratie avec un nouveau président réellement élu par le peuple congolais. Notre numéro de contact c'est plus 243 90 77 413 70 plus 243 90 77 413 70. Nous c'est Maître Oscar, on est ensemble. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. À ma droite, j'avais Jean-Luc Adima, à ma gauche, Maître Oscar Béa. Tout le plaisir était le nôtre. Je pense que Tokomi Nasuka, vérité ou réalité, Nabanda Konabino, Biscagnon, surtout au Bozo, Landabiso, les Congos nous appartiennent. Nous avons tous le même droit. Au revoir.